Mesdames, Messieurs, chers amis, merci à tous d'être venus encore nombreux cette année pour commémorer avec les anciens de Cuatmahuen le 55e anniversaire des combats du 27 juillet 1944. Que le temps s'écoule vite. Quatre de nos camarades fidèles à nos rendez-vous devant la stèle nous ont quittés récemment. Ce lieu de Cuatmahuen est un lieu de mémoire. Vous y revenez tous les ans, parce que vous y avez vécu des moments durs, mais exaltants aussi, au service d'un idéal, l'idéal de la liberté et de la justice. Mais ici, à Cuatmahuen, vos actes de résistance, vous avez voulu les teinter d'humanisme chrétien. Nous voilà donc tous réunis ici, une fois de plus, autour de cette stèle qui commémore les combats de Cuatmahuen. Et c'est beau d'être là, dans le souvenir, autour de cet hôtel en rondin qui a servi autrefois en ce maquis pour y dire la messe, au moins chaque dimanche. Votre chance à tous fut que la route de votre bonne volonté a croisé celle du lieutenant Robert. Aujourd'hui, vous êtes là, à nouveau, autour de lui, et vous vous souvenez. Vous vous souvenez de la dure journée du 27 juillet 1944. Vous vous souvenez des camarades qui sont tombés, ici, à vos côtés, quelque part dans ces bois, autour de nous, aujourd'hui si calme. Flotte, petit drapeau, flotte, flotte bien haut, image de la France, symbole d'espérance, tu réunis en ta simplicité l'avenir et l'espoir, la liberté. C'était toujours la même émotion au lever des couleurs. Le dimanche, c'était l'abbé Leduf qui venait dire la messe sur cet autel en rondin. Les repas, c'était le grand moment convivial, la fraternelle camaraderie. La cascade, une sorte de sanctuaire magique et intemporel. Une lumière verticale, presque irréelle. Notre PC. Je vous revois tous encore ici, les uns et les autres. Laurent Guerre, l'hôtelier, l'abbat, Zebrowski. Pour moi, tout a commencé en 1942 par la Tunisie contre Rommel. En 1943, après un entraînement commando, je rejoins les SAS. Notre mission, fixer les 7 divisions allemandes stationnées en Bretagne. Sabotage et harcèlement. L'ordre secret, la mission secrète, donnée par le général de Gaulle, d'armer la résistance, n'était connu que des responsables de base, Dixon et Sam West. Je suis parachuté dans la nuit du 8 au 9 juin avec une centaine d'autres SAS sur Sam West et en forêt de Duo. Au retour d'un combat plus de base, attaqué, tous s'étaient repliés sur Saint-Marcel. Je reste pour
pour récupérer et soigner les blessés. Et cette étonnante rencontre de Georges Lequin, venu les secourir, homme de l'ombre, flegmatique et homme du présent, le plus souvent déguisé en vacher, accompagné du même veau. Ce diable de bonhomme correspondait avec Londres grâce à une radio de sa fabrication. Georges avait déjà tout préparé avec Jean Dottana pour la montée au maquis. Jean Dottana me demande de prendre le commandement du maquis de Coëtmalouen en cours de formation. 150 volontaires déjà encadrés. J'accepte si c'est un ordre, mais j'entends commander. J'étais alors sergent-chef parachutiste. Quelle étrange volonté vient à m'habiter. Et on est arrivé à Coëtmalouen, tout d'un coup on a vu surgir, hein, un gars, halt, qui va là? Et alors, il fait répondre France, et c'est Geoffroy qui a répondu France. Hein. Et qui voit arriver, eh ben, Robert, en tant qu'officier parachutiste, hein, avec ses décorations françaises, son badge France, son derrière à la rampe. Là, ça nous a donné vraiment un coup de cœur terrible. Hein. Ah, c'est formidable. Vous avez vu que les ruines de l'abbaye sont très proches du bois de Coëtmalouen et de cette maison qui a été le carrefour de très nombreuses démarches au moment de l'organisation du maquis. Alors, le bois de Coëtmalouen est un bois très accidenté. Il est traversé par deux petites rivières, le Dourdu et le Trieux, qui se jettent tous deux dans l'étang, qu'on appelle l'étang neuf. Ces accès sont très difficiles et ces chemins à peine praticables. Nous avons d'abord eu la visite très courtoise de Georges Lequin. Il avait trouvé que le bois de Coëtmalouen était l'endroit idéal pour l'implantation d'un maquis. Nous lui avons bien sûr donné tout de suite notre accord. Quelques jours après, j'ai recueilli le pilote d'un avion anglais qui a été abattu très près d'ici. Je l'ai conduit au PC. Là, il a été pris en charge par Georges Lequin et par Fernand Trochel du réseau Shelburne. En 1943 et 1944, des centaines de quadrimoteurs alliés sont engagés à la fois. Beaucoup sont abattus par la flaque allemande. Quelques aviateurs échappent à la mort. Ils sont plusieurs centaines à tout moment en cavale sur le sol de France. Ils vont être pris en charge par le réseau Shelburne et le groupe de Plouha pour être évacués vers l'Angleterre. Par 8 opérations d'évacuation, ce seront au total 135 aviateurs et 15 agents qui pourront rejoindre le côté allié. Le flanc nord de la vallée de l'Anse-Cocha, sous des falaises de 60 mètres, était choisi pour ces opérations. Le feu vert, chaque fois, était transmis le soir par la BBC. C'était le message « Bonjour à tout le monde, à la maison d'Alphonse ». Dans l'obscurité totale d'une nuit sans lune, la canonnière à moteur équipée de silencieux, arrivée de Dartmouth, mettait à l'eau deux petits canots à rames sous le poste de surveillance allemand. Le signal de reconnaissance était la lettre B. Dès la seconde opération, l'acheminement s'est fait par la gare de Guingamp, où un groupe d'accueil s'occupait de l'hébergement. C'était la première étape avant la conduite par groupe de parfois 20 personnes jusqu'à Plouha, grâce à la petite camionnette à gazogène de François Kerembrun. L'accueil à Guingamp avait été mis en place par Georges Lequin, Mathurin Branchoux et Fernand Trochel, qui appartenait déjà à l'armée secrète depuis 1942. Comme on savait, nous, on avait un journal dans la poche gauche et une cigarette dans la main droite. Et on se trouvait à la gauche de l'entrée, de la sortie de la gare. Et dans la camionnette Kerembrun, il y avait des armes à l'intérieur d'une bouteille d'acétylène. Et les batteries, c'était la même chose, des grosses batteries Latil, comme ça, qui l'avaient désossé et qui avaient des mitraillettes dedans. Et le vélo? Je faisais une moyenne de 150 km par jour. Les messages étaient dans la boîte de pédalier, dans l'axe. Donc j'ai le vélo. C'était un axe creux
Et je mettais ça, enroulais ça comme plus petit qu'une cigarette dans du papier de soie et je le glissais comme ça dans ma boîte de pédalier. Et vous n'étiez jamais contrôlé ? Mais si, quand j'étais contrôlé, dites-vous, monsieur, toujours sur la route, moi, coureur cycliste, que je leur disais. Début 1943, Georges Lequin m'avait chargé d'assurer le recrutement de résistants ainsi que de les former et les instruire sur l'armement. Le moment venu, ils ont été dirigés sur le maquis en voie de constitution. Et pour le ravitaillement, comment ça se passait ? Ça marchait très bien. Enfin, on avait deux différentes voies de ravitaillement. Il y avait un ravitaillement qui nous arrivait de Guingamp. On avait un ravitaillement sur place, d'ailleurs. On avait du pain par les paysans. On avait des animaux par les paysans. On tuait même des cochons dans le maquis. Chaque groupe dans les sections allait, avec des bouteillons, se faire servir. Et il y avait des tables, oui. C'était toujours copieux, d'ailleurs. On ne crevait pas de faim. Il y avait des patates, ça ne manquait pas. On a senti tout d'un coup qu'on était dans un maquis organisé et qui nous donnait confiance. Et on savait que si on risquait notre peau, hein, ce serait à bon escient. Tous les matins, il y avait le salut aux couleurs et les bertismes. Hein. Il y avait un système de veille nuit et jour, hein, des liaisons entre nos groupes, hein, nos feux croisés. Hein, on s'est senti vraiment en sécurité. Ah, les convoyeuses. Eh bien, on ne les voyait pas tellement souvent parce qu'elles étaient toujours en mission à l'extérieur. Néanmoins, elles venaient de temps en temps partager nos repas. Et c'était toujours agréable de les avoir, parce qu'elles étaient en même temps chargées de nous apporter le courrier. Dès qu'elles revenaient dans le camp, elles s'habillaient en uniforme. Et quand elles sortaient, eh bien, elles avaient la tenue civile. Alors ça leur posait des problèmes, ça. Alors, dites-moi, et la toilette, comment ça se passait ? Ah, la toilette ! Alors là, au cœur du maquis, à la cascade. Alors, rasoir en main, sous la douche, la grande toilette. Tu vois, Francis, c'est là que nous étions en juillet 44. Hein ? Le camp s'est organisé militairement. Nos emplacements de combat d'abord, ensuite des tranchées. Les postes des sentinelles avaient été bien définis également. Et puis Robert a surtout mis en place de nombreux champs de mines. Au maquis, on était tous en tenue militaire, chemise, pantalon kaki, le brassard tricolore, et puis le tout s'était fourni par une fabrique guingampaise. Alors grâce à un poste radio miraculeusement récupéré, le contact est repris avec Londres. Un message est attendu. Trois canards viendront sur l'étang. Effectivement, le deuxième jour de notre arrivée, dans la nuit, les trois canards arrivent et nous parachutent armes, munitions, explosifs et également des fonds qui vont nous permettre de vivre en bonne coopération avec la population qui nous approvisionne en permanence. Aussitôt armé, rapidement instruit, le maquis organise une série d'attentats et d'embuscades, parmi lesquels il faut signaler le dépôt d'essence et de carburant de Saint-Brieuc, et ensuite des sabotages importants sur la voie ferrée Paris-Brest. Question attentat, certains d'entre nous n'en étaient pas à leur coup d'essai. Yves-Marie Le Magoirou, le 30 avril 1944, à Guingamp, avait fait sauter la caserne de la Tour d'Auvergne. Le 27 juillet 44, l'entraînement se poursuit. Quand soudain la fusillade éclate, ce sont les commandos de chasse pour la lutte contre les parachutistes, contre les terroristes qui attaquent. Je viens de l'infirmerie, j'entends un petit peu qui c'est le pont. Thank you.
l'attaque. Tout ça, ça pétait. Le fusil mitrailleur, les fusils, la grenade, la mitraillette. On recevait des balles à travers un taillis qui était là, et nous, on tirait également à peu près dans la direction d'où la balle venait. D'ailleurs, les branches se coupaient devant notre nid. Et puis ça commençait à pétarader. Hein. Je me suis dit, merde, alors on est attaqué. J'ai vite tassé mes souliers, hein, et à toute piture, hein, avec un œillet sur trois. Hein. J'ai récupéré ma mitraillette au râtelier en bois qui était là. Et qu'est-ce que je vois à 10 mètres de moi, t'as vu un Allemand qui commence à m'épauler, hein. Il ne s'agissait pas de résister jusqu'à la fin, donc on a eu l'ordre de se replier au bout de 2 heures ou 2 heures et demie de combat, quoi. À ce moment-là, je suis descendu avec l'adjudant dans la clairière et on a descendu le drapeau que j'ai mis autour de moi. Le repli s'organise plein ouest. Les Allemands sont retardés dans leur manœuvre d'encerclement par 2 embuscades mises en place par le maquis de Kerloch et le groupe de résistants de Plaisigny. La marche forcée mène vers le point de recueil de Duhaut, à 40 km. Puis, c'est le bois de Kergris-Mouelou le lendemain. Et encore 50 km, plein nord, vers la Nationale 12, où le harcèlement des colonnes ennemies reprend. Guingamp, ville de la majeure partie d'entre nous, siège du PC et du 74e corps d'armée allemand, est en vue. J'avais pris contact avec l'état-major allié, parachuté à Kerien. Ordre, attaquer Guingamp. À 13 ans, j'étais déjà assez grand pour inquiéter sérieusement mes parents. En retrait de la fenêtre, je veux absolument filmer le passage des commandos cyclistes allemands. J'ai vu les maquisards descendre la rue des Salles. Guy Fustek m'a reconnu, m'a tendu le drapeau, je l'ai pris et je l'ai porté jusqu'à la place du centre. Je portais le drapeau des fusils marins et c'est moi qui étais en tête de la section. C'est le drapeau de Kerivo qui était monté sur la tour du château. Et les Allemands l'ont déchiqueté là, à coups de mitrailleuse. Les Allemands étaient à l'hôtel de France et j'étais avec Gaston Bourguignon sur la moto et on s'est baissé parce qu'ils nous ont tiré dessus. La population se met à l'abri. Et nous aussi, de façon à voir un peu qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Un soldat me crie, Ambroisine, tu te dépêches, tu cours et tu vas avertir les gars qui descendent du clocher. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté dans le clocher pour aller voir où était l'ennemi. Mais en regardant par le trou dans le clocher, on nous a tiré dessus. On est reparti à toute berzinque. En descendant les vaches sans les compter. Et le clocher a été coupé de là. Brave clocher. J'avais peut-être une grande carrière devant moi et mon père avait bien voulu me laisser sa caméra paillard. Quel soulagement de le voir enfin tomber, car il ne me restait plus à la fin que quelques mètres de pellicule. Un grand jour de bonheur. Les Américains qui ont tiré sur le clocher et tout ça, le clocher... Enfin, il y avait un petit peu de pagaille partout, quoi. Pendant notre attaque à l'école des cantons, des grenades sont lancées, un drapeau blanc apparaît et les assiégés sortent. Je les reconnais et je leur dis, vous voyez, on se rend quelquefois aux terroristes. Oh non, aux patriotes! France, cher pays de mon enfance.
silence, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. En arrivant, place du centre, le drapeau sur l'épaule, j'ai embrassé tout le monde. Je me suis retrouvée bras dessus avec un soldat que je ne connaissais pas et que je n'ai jamais revu. Plus tard, d'autres maquis des environs entrent dans Guingamp. Mon père, toujours parfait photographe, va tous les immortaliser par petits groupes. Et la rue Philippe Pétain devient Charles de Gaulle. Oui, j'ai la photo avec Georges Lequin, là, et le général de Gaulle. Mes camarades m'ont fait un poster, alors je l'ai encadré. Il est dans la maison, dans le couloir, chez moi. Vive Guingamp ! Vive la Bretagne ! Vive la France ! André Lequin, le pharmacien, c'était mon capitaine. C'était Cléophile qui tenait le drapeau déchiqueté du maquis. Le 5 août 1945, nous nous sommes retrouvés à Quatmalouen pour l'inauguration du monument à la mémoire de nos maquisards. Totalement pour les décorations. Mon commandant, chers amis, cette commémoration patriotique est la dernière du siècle sur notre territoire de Saint-Connan. Nous allons, comme chaque année, nous retrouver devant la mairie pour le vin d'honneur et pour évoquer ensemble les souvenirs de cette époque. Merci de votre présence à tous et à l'année prochaine. Oh, pardon. On va aller boire un coup maintenant. Bah ouais. Parce que j'ai ça dans la tête quand même, malgré que mes 82 ans. Il m'arrive d'aller coucher tout seul à notre poste de combat, la nuit, hein, j'ai passé une ou deux nuits tout seul, dans sur la couverture, là, au quart de lune. Hein. Vraiment, on a vécu là une épopée, si l'on peut dire, quoi. Mais j'en ai jamais parlé à personne. Personne n'est au courant, quoi, de ça. Alors, c'est des choses que j'ai vécues, mais enfin que... On les garde pour soi, quoi. Hein. Mes enfants, tout ça, j'en ai jamais parlé, quoi. Hein.